Mémoire de Suisse romande, c'est un projet de projection publique que nous réalisons en partenariat avec les communes dans les 6 cantons francophones romands. Mémoire de village est un projet basé sur les rencontres, les échanges, d'abord parce que nous partons à la découverte des personnes qui figurent dans les archives, que nous tentons de retrouver, que nous rencontrons justement pour les interviewer, et puis parce que c'est aussi un moment d'échange important avec les communes, les villages avec lesquels nous tissons des liens. Et le soir même de la projection, alors là, c'est le bouquet final, si je puis dire, c'est vraiment ce moment de partage avec toutes les personnes du village, généralement, qui viennent lors de ces soirées, des historiens, des historiennes aussi, qui sont présents pour donner du contexte, hein, parce que pour nous, ça, c'est important. Il faut recontextualiser ces images avec une perspective, également pour faire ce lien entre le passé et le présent, parce qu'on essaie d'éviter une approche trop passéiste, trop nostalgique. Les archives de l'RT représente un patrimoine audiovisuel aussi pour les régions. Et en même temps, ce sont des histoires personnelles qui sont des vecteurs d'émotion. Il nous a paru juste de restituer ce patrimoine à la population d'un lieu. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de l'amener en quelque sorte sur la place du village et de permettre à la population une réappropriation de leur mémoire dans le fond. Pour nous aussi, ce qui est très important, c'est qu'à l'issue de ces projections, généralement qui se termine par un apéro ou par une soirée raclette, c'est que les gens peuvent se retrouver. Et après le Covid, c'est d'autant plus marqué, cette discussion qui peut se faire là, à travers l'histoire, c'est l'occasion aussi de parler finalement d'actualité, du présent et de faire ce lien entre les générations.